Ok, donc moi, mon métier, c'est de faire du bateau à voile le plus rapidement possible et de gagner des courses. Pour cela, j'ai mis en place une démarche d'apprentissage qui m'est assez personnelle, assez propre, puisque, à la différence des autres marins, je vais essayer de varier les expériences sur des supports très différents. Et donc, cette année, j'ai navigué sur 4 bateaux, du bateau à classe, en Estonie, comme l'an dernier. Et cette année, j'ai fini 32e au championnat d'Europe sur 119 participants. C'est un bateau qui va beaucoup plus vite que tous les autres bateaux de haute performance. Et donc du coup, ça m'apprend à naviguer beaucoup plus rapidement, à réfléchir beaucoup plus rapidement, à avoir des automatismes. C'était une belle expérience bien froide en Pologne et en Estonie. Donc après avoir navigué sur la glace, j'ai été rappelé par Jean-Pierre Dick pour naviguer une deuxième année consécutive à la barre de son catamaran à foil ETF-26. Et on a participé à 5 épreuves du calendrier international pour terminer second. Les ETF Series, voilà, après notre victoire de l'an dernier, puis un début de saison qui n'était pas facile, on a quand même réussi à monter sur la deuxième place. Voilà, c'était une expérience intéressante sur un bateau un peu plus grand en équipage, à foil également. On a battu le record du bateau à 36,4 en début d'année pendant un entraînement. Voilà, ça c'est un super bateau qui nous a montré que pour un sponsor c'était très intéressant de faire des sorties de relations publiques notamment. C'est un bateau qui est intéressant en course. Après ça, j'ai repris mon mode, mon petit bateau fétiche qui vole également, le monocoque volant. Là-dessus, j'ai gagné le national en gagnant toutes les manches. Donc c'était une expérience sympathique de commencer l'année sur une bonne note. J'ai passé énormément de temps à faire du travail de développement sur les nouvelles voiles, le nouveau gréement, le nouveau mât. Et ça a porté ses fruits puisque mon championnat d'Europe s'est pas extrêmement bien passé d'un point de vue météorologique puisqu'on n'a eu qu'une seule journée de navigation sur 6. Et par contre, en fin de saison, je suis allé disputer le national en Angleterre, national anglais, avec 75 bateaux à niveau important. Et là, malgré un début de championnat un petit peu compliqué avec un peu de casse mécanique, voilà, j'ai réussi à remonter sur la 3e place du podium. J'étais content de faire une 3e position juste avant d'envoyer mon bateau vers le championnat du monde en Australie, puisque je finis 3e derrière Dylan Fletcher qui va aller aux Jeux Olympiques en 49ers. En décembre dernier, je suis allé en Australie disputer le championnat du monde de moto internationale. C'était une régate difficile par son niveau, comme tous les championnats du monde de cette série, qui a vu la domination de Tom Slingsby gagner toutes les manches. Mais c'est toujours intéressant de se mesurer à des personnes de ce niveau-là. Et voilà, j'ai un peu souffert dans les conditions ventées. Mais en revanche, la dernière journée qui avait des conditions de vent légères a été très positive puisque j'arrive à faire un tour complet en tête de la manche, de la première manche de la dernière journée. Et j'ai fait une énorme remontée sur la deuxième manche. Voilà, donc résultat pas facile quand même. Je finis 17e avec quand même des belles choses. Et donc mon objectif pour l'année 2020, c'est de continuer sur ce support pour travailler encore un peu plus sur l'aéro du bateau pour aller chercher des performances encore un peu supérieures à ça sur cette série de références internationales. Le 4e support cette année, c'est le Classa. Alors là, ça s'est fait complètement à l'opportunité. Une semaine avant, j'ai pu m'inscrire au championnat du monde de ce catamaran foil solitaire. Et là, surprise, j'étais dans le top 10 mondial pendant toute l'épreuve, pendant les 6 jours. Le dernier jour, malheureusement, j'ai cassé 2 safrans. Donc ça m'a fait redescendre à la 13e position. Mais c'était super de pouvoir voler avec les meilleurs marins de la planète sur ce support de pointe. Et voilà, donc une année remplie. 4 supports, des difficultés comme dans la vie de tous les jours et des belles réussites. Donc, c'est tout l'intérêt du multi-support, c'est que moi je cherche à varier les expériences. Forcément, sur le court terme, c'est difficile parce qu'on manque d'entraînement, mais en fait, varier les supports, ça fait que les expériences se nourrissent d'elles-mêmes. Dans la démarche, c'est toujours progresser, trouver des pistes de progression. Cette démarche me convient et c'est de bon augure pour la suite. Un des autres axes de l'année, c'est le développement technologique, donc le travail sur les voiles et le gréement de mon mode international. C'est la continuité de la baume en Z que j'ai faite avec Airbus il y a 2 ans. L'idée, c'est de travailler cette voile qui est scellée au pont, qu'on appelle deck sweeper. Ça fonctionne super bien. On l'a vu au championnat, dans les derniers championnats, la voile est très rapide.
Pour finir, un petit projet de développement sur lequel on n'a pas du tout communiqué, mais sur lequel on travaille depuis 2 ans avec mes amis Boris Aurel et Gauthier Détombe. C'est un petit bateau qui s'appelle Vini. Vini, c'est un petit laboratoire à foils où on va pouvoir faire varier toutes les foils de toutes les configurations possibles et imaginables. Ça, c'est un petit bateau qui devrait voir l'eau en tout début d'année 2020, sur lequel on a énormément travaillé dans l'ombre un peu depuis 2 ans. Et on a une bourse d'innovation de la région des Pays de la Loire. C'est un petit monocoque laboratoire de bateaux volants sur lequel on va pouvoir faire varier la géométrie, la position des foils de manière très rapide, très facile. L'idée, c'est de nous prouver aussi que ce bateau-là, on peut avoir une démarche responsable en utilisant des pièces et des matériaux recyclés à 85%. It's not for me to say.